Bon, déjà, les gars, il faut savoir qu'il n'existe pas une skin tone parfaite. Ça n'existe pas. Donc, mettez ça bien dans vos têtes. Ouais. La skin tone est toujours tributaire de l'étalonnage que vous avez choisi. Je parle ici de la couleur de peau pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Donc, si vous choisissez un étalonnage, par exemple, à la Matt Matt, pour ceux qui connaissent le film, vous allez voir que c'est différent, par exemple, de la skin tone qu'on retrouve, par exemple, dans le dernier film, le dernier maître de l'air de Netflix, la dernière série. Donc, là-bas, vous allez toujours voir que les skin tones sont différentes. Elles sont toujours tributaires de l'étalonnage que vous avez choisi. Qui fait en sorte qu'on ne peut pas vraiment parler de skin tone parfaite quelque part. Donc, je vois souvent les gens demander comment faire pour avoir une couleur de peau parfaite. Ça n'existe pas. On va voir dans ce tutoriel une technique qui va vous permettre très facilement de pouvoir toujours déterminer la skin tone que vous voulez par rapport à votre étalonnage. Donc, on se retrouve derrière la machine. On fait ça tout de suite. Donc, on va essayer d'utiliser trois différentes photos pour que vous puissiez mieux comprendre la technique en question. On va d'abord commencer par cette photo-ci et ensuite, on va aller sur celle-ci que vous connaissez déjà probablement. Donc, vous pouvez télécharger les photos en description pour pouvoir appliquer le tuto au même moment que moi. Après, on va finir avec celle-ci. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? C'est très simple. Vous allez venir ici simplement ou venir, par exemple, ici là, sous vos adjustment layer. Donc, vous allez venir ici, vous allez prendre un gradient map. Vous savez le gradient map qu'on va travailler. Automatiquement, lorsque vous allez prendre un gradient map, vous allez voir deux différents types de couleurs. Vous allez voir, il y a un ton au niveau des noirs et vous allez voir un ton au niveau des tons clairs. Vous voyez. Ce qui est bien avec le gradient map, c'est que vous pouvez même gérer, par exemple, votre étalonnage avec le gradient map. Quelque chose comme ça, c'est pas dégueu, c'est artistique, tu vois, pour moi. Donc, le gradient map fait déjà une grosse partie du travail. Ce que vous allez faire ici, pour notre cas, vous allez venir juste ici, vous allez mettre en mode soft light comme ceci. Une fois qu'on le met en mode soft light, vous voyez, il y a déjà quand même quelque chose qui se dessine. Vous pouvez décider, par exemple, de faire quelque chose dans ce genre. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Donc, il y a des chiffres que vous allez devoir faire entrer ici. Mais c'est à votre choix. Vous avez le choix de décider de quelle couleur vous allez mettre dans tel ou tel endroit. Je vais juste vous guider et puis vous allez voir comment ça se passe. Donc, on va d'abord venir dans les noirs. On va cliquer dans les noirs. Vous allez vous rassurer ici là qu'à location, vous allez juste regarder comment ça s'affiche. Pour moi, c'est en anglais. Pour vous, c'est en français. Vous allez juste regarder ce qui s'affiche ici. Donc, vous allez double-cliquer ici. Ensuite, vous allez remplir le code suivant. A, B, ensuite 7, 75, ensuite F. Vous avez quelque chose comme ça. Si vous, peut-être, vous êtes en train d'appliquer le tutoriel au même moment que moi et que vous avez mis le code ici et que vous voyez que ce n'est pas la même chose, venez ici. Observez bien ici les chiffres que j'ai ici. Essayez de faire en sorte que ça corresponde au même chiffre que j'ai ici. Donc, si vous appliquez le même code que moi et que vous n'avez pas le même rendu, essayez de remplir ces chiffres-ci, vérifiez si ces chiffres-ci correspondent au mien. Parce que généralement, ça diffère. J'ai essayé de faire plusieurs tests tout à l'heure. Ça diffère toujours. Parce que ça dépend aussi des versions de Photoshop que vous avez. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. On va mettre sur OK. Ensuite, on va venir ici sur les tons clairs. On va cliquer sur les tons clairs. Vous allez vous rassurer. Par contre, ici, que la location soit à 100. Ça, c'est le maximum. Tu vois. Ici, on était à 0 parce que nous sommes dans les tons moyens. Mais ici, vous allez vous rassurer que c'est à 100. Ensuite, vous allez cliquer ici. Une fois que vous avez cliqué ici, vous allez remplir ce qui suit. Vous allez remplir D, F, C, ensuite 7 à E. On a quelque chose comme ça. Et ensuite, on va aller dessus. OK. Donc, on va valider sur OK. Ensuite, vous allez juste venir ici. Regardez un peu avant et après. Avant et après. Vous allez juste venir ici. Ensuite, vous allez essayer de diminuer l'opacité si vous jugez que c'est trop beaucoup. Ouais, moi, je vais laisser ça à 40. Donc, déjà comme ça, ça fait déjà un étalonnage global. Mais si vous êtes encore un peu plus... Vous allez aller un peu plus dans les détails. Vous pouvez venir ici. Vous allez faire un contrôle I sur le masque. Donc, vous allez partir sur le masque de fusion. Faites un contrôle I pour inverser le masque. Et vous allez prendre l'outil brush. Vous allez vous rassurer que vous avez une dureté de 0. Et vous allez juste peindre à l'endroit où vous voulez que votre skin tone apparaissent. Donc, on va peindre comme ceci. Donc, j'ai un peu peint de façon abrupte. Donc, vous voyez, avant et après. Avant et après. Donc, je peux même encore essayer d'augmenter un peu comme ceci. Donc, avant et après. Avant et après. Donc, voilà un peu. Et ce qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez décider, par exemple, de sauvegarder ça. Vous voyez, de sauvegarder. Vous venez ici. Lorsque vous ouvrez votre masque de fusion, vous pouvez venir ici, vous cliquez sur New, comme ceci. Et puis, ça apparaît là, ça se sauvegarde. Ce qui fait que, lorsque peut-être je vais peut-être fermer ça, je reviens ici, je prends peut-être dans Gradient Map, comme ceci. Je viens ici, je clique sur Gradient Map. Je peux venir ici et choisir, en fait, le skin tone que j'avais déjà sauvegardé auparavant. Je reviens ici, je le mets juste en mode soft light. Et si je le mets en mode soft light et que, par exemple, je baisse encore l'opacité à 46, comme ça. C'était à 46. Et puis, je vais venir ici, je vais copier
ce masque de fusion, si donc j'appuie sur Alt, je le copie juste ici en bas, comme ça je le remplace, ok. Vous voyez qu'on a la même chose en fait. Donc ce qui peut être intéressant ici, c'est que lorsque vous avez déjà trouvé une skin tone qui reflète à peu près ce que vous voulez, vous pouvez la sauvegarder et la réutiliser après à chaque fois que vous en aurez besoin, vous voyez. Voilà, je vous donne déjà le secret. Voilà, le secret il est déjà là. Mais après, pour les flemmards, ceux qui ne veulent pas travailler, on va commencer à vous vendre des luttes, il n'y a pas de problème. C'est assez facile en fait, et vous n'êtes pas obligé de faire entrer les nombres que je vous ai dit. Ce qui est bien avec cette technique-ci, c'est que vous pouvez venir ici, et puis, par exemple, si cette couleur-ci ne vous dit plus trop rien, ça ne vous parle plus trop, vous pouvez toujours venir ici, essayer de parcourir pour chercher, par exemple, quelque chose qui, si à ce que vous voulez, vous pouvez modifier tout ici. Vous pouvez venir ici, vous pouvez, voilà, dire que, bon, ici, je veux quelque chose d'un peu plus rouge, vous voyez. Donc, on a quelque chose comme ça. Donc, c'est différent. Et je vais essayer de sauvegarder aussi l'autre. Si je vais sauvegarder ça là. Vous voyez. C'est différent du rendu qu'on avait d'abord avant. Donc, vous voyez, avant et après. Donc, c'est toujours différent. C'est toujours quelque chose qui peut être exploitable. Vous voyez. Donc, on va essayer de passer à l'autre photo. Attendez, j'essaie d'agrandir ça. On va venir ici. On va choisir un gradient map là, comme ça. Vous allez d'abord mettre, bien sûr, ceci en mode soft light. Une fois que c'est fait, vous allez venir ici, location à 0. Vous allez cliquer sur l'onglet couleur. Et puis, vous allez choisir la couleur que vous voulez voir apparaître dans les tons noirs, par exemple. Dans les tons sombres. Donc, je veux peut-être cette couleur-ci. Je vais aller comme ça. Je veux peut-être cette couleur-ci. Je prends un cas comme ça. Hein, et je veux peut-être cette couleur-ci ici. Ouais. Quelque chose comme ça, par exemple. Donc, on a un truc comme ça. Ensuite, je vais juste venir ici. Je vais essayer de diminuer un peu l'opacité. Vous voyez. Donc, on a quelque chose comme ça avant et après. Avant et après. Ce qui est bien aussi avec le gradient map, c'est que vous voyez, ça fait même déjà office d'étalonnage là. Mais bon, si cette couleur-ci ne me plaît pas, par exemple, je peux toujours venir ici. Je clique là sur le gradient map. J'essaie de choisir tout ce qu'on a fait tout à l'heure, par exemple. Voici les colorations qu'on a essayé de sauvegarder tout à l'heure. Je vais venir choisir, je vais venir piquer sur ce qui me plaît, par exemple ceci. Je vais mettre sur OK. Et voilà, avant et après, avant et après. Je vais venir juste ici. Et puis, je vais inverser le masque et puis peindre où je voudrais qu'on puisse voir l'effet. Ouais, les gars. Donc, avant et après. Avant et après. C'est quelque chose d'assez facile pour aussi décider de sauvegarder ça. C'est simple. Vous voyez, jusqu'à là, on est toujours ensemble. Maintenant, je vais venir sur notre sœur noire. Parce que c'est que la plupart des gens qui nous suivent ici, ce sont les Africains. Donc, je pense que tout le monde attendait le moment où on devait arriver ici. Vous voyez, la différence, par exemple, avec la peau caucasienne et la peau black, c'est que dans la peau caucasienne, vous allez avoir, par exemple, un peu d'orangé clair, en fait. Nous sommes dans les tons qui sont clairs, vous voyez ici. Dans la peau noire, nous aurons tendance à aller dans les tons un peu plus rouges et un peu plus sombres. On va appliquer ça. Donc, je vais venir ici, comme d'hab. Je viens là, j'applique un gradient map. J'applique un gradient map, ok. Bon, je me rassure d'abord que je suis en mode soft light là. D'accord, super, c'est bien. Donc, avant d'aller plus loin, les mecs, si ce tutoriel, si vous êtes, si ça vous donne ne serait-ce qu'un tout petit peu de valeur, il serait nécessaire de me récompenser juste avec un petit like, un petit commentaire. Donc, les gars, s'il vous plaît, ça aide beaucoup la chaîne. Et ça me fait aussi plaisir parce que ça me permet de voir que mon travail sert quand même à quelque chose, ouais. Donc, on y retourne. Donc, une fois que nous sommes ici, vous voyez, nous sommes là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir toujours ici. Et puis, on va venir ici. Bon, je n'ai pas besoin des chiffres ici parce que voilà, j'ai l'habitude de travailler avec le teint noir. Donc, je sais déjà exactement où il faut aller chercher. Donc, je vais d'abord me placer ici dans les tons un peu orangés. Ensuite, je vais venir prendre un peu quelque chose qui sied un peu au chocolat, comme ça. Vous voyez. Donc, je vais prendre quelque chose comme ça qui n'est pas trop saturé et qui sied un peu au chocolat, comme ça. Voilà, je vais mettre sur OK. Je vais venir ici. Je vais me rassurer que je suis à 100. Voilà. Ensuite, je vais toujours venir ici. Et puis, je vais prendre quelque chose qui est un peu, on va dire quoi, un peu clair, quoi. Donc, j'ai quelque chose comme ça. Et puis, je vais valider sur OK. Ensuite, je vais juste venir ici et basculer avec l'opacité pour essayer de jouer avec l'opacité pour voir ce que ça donne. Donc, je vais baisser jusqu'à 34, vous voyez, avant et après, avant et après. Et honnêtement, moi, je préfère souvent même jouer de ça pour faire une fois le color grading, vous voyez. Parce que pour moi, ça va, tu vois, pour moi là où c'est là, ça va, il n'y a pas de, je vais juste essayer peut-être d'aller dans peut-être le contraste et saturation, ajouter un peu de brightness comme ça, ouais, et puis voilà, c'est bon, j'ai ajouté un peu de lumière, donc ouais, donc pour moi là où c'est là, c'est bon, tu vois. Donc, j'ai quelque chose comme ça avant et après, avant et après. Après, vous en tant que forceur, vous pouvez toujours décider de voilà, de venir ici et
vous décidez de là où vraiment vous voulez que cet effet apparaisse, vous voyez. Donc on va venir là par exemple sur la peau, on va essayer de peindre justement uniquement sur la peau. Je vais essayer de peindre ça un peu rapidement pour gagner un temps. Ouais, donc voilà quelque chose comme ça. Ouais, et c'est assez, voilà, c'est assez simple, c'est assez facile. On peut décider de sauvegarder ça. Voilà, ça me plaît, donc je vais sauvegarder. Et puis voilà, j'ai des trucs comme ça, vous voyez. Donc j'ai déjà des différents trucs que moi j'ai déjà eu à sauvegarder ici, tu vois. Donc voilà, on a quelque chose comme ça. Donc comme vous voyez là, c'est quelque chose d'assez facile, d'assez simple. Donc, en fonction de votre étalonnage, par exemple, vous pouvez toujours choisir de quelle est la couleur de peau que vous allez décider, par exemple, d'adopter. Vous voyez, peut-être, c'est la même photo ici. Pour ceux qui ont assisté au dernier tutoriel, c'est la même photo. Mais vous voyez que ici, par exemple, la skin tone est un peu plus jaunâtre par rapport à... Attendez, je vais ouvrir ça sur Photoshop pour que vous puissiez mieux voir. Et vous allez voir que par rapport à ce qu'on venait de faire tout à l'heure, ici, par rapport à ceci, vous voyez que la skin tone ici est un peu plus jaunâtre. Vous voyez. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de jouer entre l'harmonie des couleurs. Vous voyez, en fond, vous avez un bleu un peu sombre. Vous voyez. Donc, je voulais que la skin tone ressorte un peu. Du coup, je suis un peu allé dans les tons un peu jaunâtres. Vous voyez. Donc, cela dépend toujours de votre étalonnage, en fait. C'est tout ce que je peux vous dire. Bon, les gars, on arrive donc à la fin de ce tuto. Comme vous venez de le voir, la skin tone parfaite n'existe pas. En fonction de l'étalonnage que vous avez choisi, vous allez juste prendre votre gradient map et essayer de mettre, enfin, une skin tone qui scie le mieux à votre étalonnage. C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver chaque dimanche pour partager ces petits moments avec vous. Si ce que je fais ici vous aide dans votre travail, dans votre évolution, ça me ferait beaucoup plaisir que vous me laissiez juste un petit like et un petit commentaire pour m'encourager. C'est une toute petite chaîne, donc j'espère la voir évoluer, arriver à un certain stade grâce à vous. L'exercice pour cette semaine est très simple. Vous allez juste prendre les photos qu'on a essayé de travailler ici et essayer juste d'appliquer la technique en montrant par exemple l'avant et l'après. Donc vous allez juste appliquer ce qu'on a vu ici. Et on va rendre l'exercice un peu complexe parce que vous allez essayer de donner les différentes skin tones. Par exemple, si vous prenez une photo, vous allez lui donner par exemple trois différentes skin tones pour qu'on puisse voir exactement si vous avez compris l'exercice. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Les photos pourront être postées dans le groupe Facebook. Je vais laisser le lien en description. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Chris. Portez-vous bien. Tchuss.